son siège parce que ce sont des sièges réservés. Et tout a été vendu, là. Il n'y a pas de complications. Ce sera Salcombe ce soir au centre de la Croix-du-Tille. L'assurancia, on a peine à s'entendre, Pierre. Demain, pour un match numéro 7, on le saura dans 60 minutes de jeu. Bonne rencontre, mesdames, messieurs. C'est parti, mise en jeu remportée par le... Tente la longue remise à l'intention de Beauvillier, qui n'a pu saisir. Ce sera fait par Roy. Et quel contact avec Lemieux. Contre-attaque cependant le coup. Un tir par-dessus la cage. Entre en zone adverse. Laisse derrière lui. Le tir, c'est bloqué. Le retour appartient à Cadorette, qui a cédé cependant un retour. C'est récupéré par Lacroix. Et Goulet qui va tenter de s'amener. Le tir, le retour qui appartient à Rattel. Il rate la cage. Quelle occasion qui est ratée pour l'assurancia. Entre en zone adverse. Lozier freine sa course. Conserve le disque avant de le perdre dans l'enclave. C'est finalement lui-même qui va reprendre et qui met Auger à l'épreuve. L'assurancia contre-attaque Goulet maintenant. Laisse derrière pour Labrec. Labrec s'avance davantage. Le tir. La rondelle qui échappe au gardien. C'est bataillé. La rondelle qui bondit. Ça revient à Labrec. Tente de décocher. À nouveau, c'est bloqué. Tire de loin. Lépine sera là le premier. Tente le dégagement. C'est neutralisé. Tifu derrière pour Lacroix. Pourchassé par Lépine. La remise qui ira à Caron. S'apprête à tirer. C'est fait le but. Et Caron donne les devants au coup de fin. C'est 1 à 0 Saint-Georges. De retour vers Paré. Et pour... il y aura punition. Boutet à l'endroit de Veillette. Lessard dans le coin en compagnie de Veillette. Collision entre les deux. C'est Toutier. Un tir. Et c'est Cadorette qui cherche le disque. Qui était immobilisé entre ses deux jambières. Et la bousculade là, qui va suivre. Oui, avec Bergeron là, qui a donné un petit coup de bâton derrière les mollets de Philippe Cadorette. Territoire des siens. Mais beau repli de Wattier pour contrer le capitaine du Cole FM. Rondelle qui est bataillée le long de la rampe. On cherche le disque, ça ira jusqu'à Paris. Il va tenter de s'amener seul devant le gardien. Paré, décoche, début! Oh! Avec 43 secondes à la période, Paré donne un deuxième but d'avance au sien. Il a couché Philippe Cadorette. Et Mario, quel travail! Il faut louer le travail de Paré. C'est tenté vers Lessard. Lessard qui va entrer en zone adverse. Pierre-Luc Lessard décoche le tir. Le retour concédé par Auger, mais encore une fois, le cours incapable de récupérer le disque. Ça revient à 2-1 Lacroix avec Veillette maintenant. Lacroix, le tir. L'arrêt de Cadorette, ça lui a donné du mal et réussit finalement à conserver. Il y aura... Oui, tout juste au centre. Et Boivin en compagnie de Lemieux à 2-1. À Lemieux, sur réception. Le retour qui appartient à Boivin ne peut compléter cependant. Encore une fois, Auger qui est miraculeux là-dessus. Lozier pour Beauvillier. Ça va se rendre jusqu'au gardien. Et la collision. Beauvillier qui a appliqué un petit coup d'épaule à un rival qui est entré en collision avec le gardien Auger. Laisse pour Lemieux. Lemieux. Goulet sur réception. Ça a touché le bord horizontal. Et ça se retrouve chez les spectateurs. C'était par Cloutier celui-là. Le retour appartient à Poudrier. Poudrier dévié devant. Et Rattel qui va se faire voler un but. Revient de l'arrière. La remise est pour Beauvillier. Lemieux. Et c'est bloqué encore une fois par un défenseur. Il est dangereusement par Hudon. Le retour à Gagnon. Oh, la collision avec Dumoulin. Les deux joueurs qui demeurent étendus sur la patinoire. Les deux sont blessés. Nicolas Dumoulin et Mathieu Gagnon. Quelle collision! Le cours qui pousse pour Beauvillier ou pour Lozier qui tente de s'amener au but. Le tir de Beauvillier! Oh, l'arrêt! Encore une fois, in extremis! Et bousculade entre Roy et Beauvillier. Beauvillier sera chassé. Lozier également. De l'autre côté, c'est entre Poudrier et Demers. Et avec une seconde à faire, c'est Beauvillier qui se voit voler par qui d'autre que Sébastien Auger. Et Demers qui est là le premier. Demers pourchassé par Beauvillier qui le met durement en échec. Le tir de Lépine. Rondelle qui revient cependant à Hudon. Elle avait y sur réception. Le tir de Denis. L'arrêt de Cadorette. Transporte en zone adverse. Tir du poignet. L'arrêt. Retour. Encore une fois. C'est Dumoulin qui rate la cage sur le retour concédé par Auger. Lozier laisse derrière lui, mais ça revient. Et de tir sur réception. Quel arrêt au départ de Paré. Et ça revient à nouveau. Cette fois, c'est pour Veillette. La remise en direction du Dumoulin. Un tir devant le filet. Et encore une fois, c'est Auger qui sort étire la mitaine. Rondelle qui revient en territoire de Thetford. Et c'est Réon qui s'avance le tir. L'arrêt de Cadorette. Oh, il a jeté un coup d'œil derrière lui.
recule, revient sur ses pas à nouveau. Et c'est l'échappée de Hudon. Hudon s'amène, le tir, la frappe et le poteau. Ça va glisser jusqu'à Lemieux. Un tir et ça touche Lessard. Lausier maintenant pour le retour. Car on va tenter le dégagement plaqué par Lecour. 1 minute 35 à faire à la période. Lecour avec la remise qui est interceptée. Et on va s'amener du centre, un tir dans une filet désert. Et le coup, l'FM qui va remporter cette série finale. Et le championnat des séries éliminatoires. Un premier titre pour Saint-Georges depuis 2010. Et Mario, il est là en compagnie de Yann Joseph notamment. Le tir de La Fontaine. Et c'est Thomas Bellemare qui... A-t-il marqué? Non. On a arrêté la rondelle. Je ne sais pas comment Auger a fait, mais je croyais moi aussi que Thomas Bellemare avait marqué. Je pense qu'il a bu, Pierre. Je pense que Bellemare a marqué. Ben, ça serait une belle fin de, pour lui. Oui. Oui. Thomas Bellemare, ça dévie et c'est terminé. Le Cool FM est champion des séries éliminatoires 2023. Succède à l'assurancia de Thetford. Les joueurs qui vont célébrer autour de leur gardien. Et Pierre, tu l'as mentionné plus tôt en reportage, qui l'eût cru en cours d'année. Et tout ça, ça a changé avec l'arrivée de Francis Paré. Oui. Cette équipe-là a changé d'identité. Tout à fait. On a pris confiance, on a connu d'excellentes séries éliminatoires. On a vaincu tour à tour les Éperviers de Sorel-Tracy, les Pétroliers du Nord et le Surancier de Thetford. Ça n'a pas été un parcours facile pour le Cool FM. On doit leur rendre crédit aux joueurs de Saint-Georges. Ils ne l'ont pas eu facile. Trois adversaires redoutables. Oui. On a défait Sorel, Laval et Thetford. C'est pleinement mérité. Et Mario, dans les deux dernières séries, on a éliminé les deux équipes qui avaient le plus de points au classement. Oui. On sait que Laval et Thetford avaient terminé. Là, il y avait une différence là, à cause des victoires, je pense, ou les points, les buts marqués. Oui. Comme ça, en tout cas, peu importe. Les deux formations de première et deuxième place. Et c'est vraiment là tout un retour. Cette formation, l'an passé, Mario, qui avait terminé quand même assez loin au classement et qui s'est relevé cette année. Les festivités qui commencent à peine du côté de Saint-Georges, ça va sûrement se prolonger jusqu'à très tard cette nuit. Oui.